Là, donc, il réfléchit sur cette, il réfléchit sur cette vapeur-là. Il réfléchit et il trouve la solution. La solution là, c'est ça qui est S, la pluie. La pluie. Et puis, il verse quoi? La pluie là, ce S là, il verse ça sur quoi? Sur le visiteur. C'est comme ça. C'est comme ça. Donc, cette pomme de l'oiseau là, verte, cette pomme de l'oiseau, cette pomme, c'est un oiseau qui est en train de regarder de ce côté là, je n'ai pas de pomme, je n'ai pas de vapeur. C'est quoi? C'est lui qui fait aller à quoi? À l'oiseau qui monte, la montée de l'oiseau dans le ciel. C'est ça. Sinon, l'oiseau lui-même, c'est quoi? C'est le ciseau, c'est le vecteur. Les aides là, ça fait allusion à ça. Il va faire cette montée, la montée de l'oiseau vers le ciel. Il est monté, la vapeur, c'est ça qui est la vapeur qui a pris, qui a pris vos paddles pour le transmettre à quoi? Pour défendre ses causes devant le juge, devant le populaire. C'est comme ça. Et maintenant, le S là, c'est quoi? C'est le S, cette pomme de l'oiseau qui est de ce côté, c'est pour le quoi? Là, c'est la pluie. C'est la pluie, ça. S, ça, c'est la vapeur, ceci, c'est la vapeur. Ceci c'est à l'inverse, c'est-à-dire, ça c'est la pluie, ça. C'est la pluie, c'est-à-dire, la pluie qui descend, c'est-à-dire quoi? Ça fait allusion à la descente de l'oiseau sur la terre. C'est ce que c'est comme ça. Donc, et quand l'oiseau est en train de voler, l'oiseau dessine quoi? Ok, le S c'est la pluie, la descente de l'oiseau sur le ciel, et ça qui est quoi? C'est ça qui est quoi? C'est ça qui est l'image qui est dans le miroir là. C'est-à-dire la parole que vécu cette image. Qu'est-ce que vécu cette image qui est dans le miroir? C'est-à-dire l'image dans le miroir, elle te parle, la parole, elle te dit, écoute, tu as quelque chose, tu as des graines de sable quelque part là, il faut enlever, c'est ça, elle te parle pour te rendre beau. Cette parole-là, c'est ça qui est S, qui est la pluie. Et comme ça, tu fais allusion à la descente de l'oiseau sur le ciel, sur la terre. Et c'est comme ça. Et quand l'oiseau est en train de voler, il dessine M. Il dessine M. Regardez bien la forme de M. C'est quoi? Il explique plus de quoi? C'est quoi? C'est la rétention. Et c'est la rétention, donc, quand la pluie. Ça aussi, c'est pour dire que quoi? Quand tu auras la parole, quand la parole te dit, quand tu auras la pluie, quand tu as la pluie, c'est-à-dire quand tu as l'image du miroir, cette image du miroir là, vous pouvez quoi? Vous pouvez suivre ça de la réflexion. Sur cette image de la réflexion. Réfléchis. Et quand tu réfléchis, et c'est cette réflexion là, tu réfléchis, tu vois que voilà, tu as vu l'image, tu mets ça, tu fais la réflexion, tu réfléchis, tu enlèves ce que l'image te dit, et si tu vois une sainteté quelque part là, tu enlèves, ça c'est la réflexion. C'est la réflexion, c'est comme ça. Et c'est comme ça, aime la réflexion parce que, regardez, aime. La personne 13 dans l'alphabet, son majuscule s'écrit, comme ça. Et 13, c'est quoi? C'est 26 sur 2, c'est la moitié de l'alphabet. La moitié de l'alphabet, c'est la ligne 13, c'est le milieu. 13, c'est le milieu. Le milieu, ce qu'on appelle le milieu, c'est quoi? C'est le milieu. Le milieu est la solution. Vous trouvez ce milieu-là, cette solution-là, vous pouvez voir, c'est M. Donc M, c'est la ligne quoi? On ne prend pas la règle pour trouver le milieu, on ne prend pas la règle pour mesurer ça et évaluer la distance divisée par deux. Non, mais qu'est-ce qu'on fait pour trouver le milieu? C'est que Dieu aime là, aime comme aime, c'est que Dieu aime, c'est quoi? C'est qu'il faut faire ceci. Tu fais tout ton compas sur la première extrémité du segment, et puis tu reviens ici, tu piques aussi ton compas, ton compas, tu le piques encore là. Tu as ça, je sais. Et là, je sais. Et là où ça se trouve, là, tu prends un chemin pour tu ne peux pas trouver le milieu. C'est comme ça. C'est comme ça qu'il faut faire pour trouver le milieu. Fais M. L'autre, c'est d'accord. Je sais que qui se coupe pas. Avec ton compas. C'est comme ça.
Et ce qu'elle est en train de dire, hop, c'est comme ça, non? La bine est toujours accompagnée par les montagnes et les oiseaux. La bine, c'est quoi? C'est le miroir. C'est un miroir. Et c'est quel miroir s'agit-il? C'est quoi? C'est l'horizon et c'est le bénin. L'horizon, c'est le bénin. Donc, le bénin, c'est la limite. Et les montagnes.